Chouchou, la qualité qu'on voit même pas de vapeur là, c'est quelle qualité nous tue ça? La vapeur sur la nana. C'est la nana. Et toi, tu viens avec la nana au chantier comment? La nana, ce sont les trucs qu'on mange, qu'on a affiné manger la vraie nourriture. Au chantier comme ça, on a besoin des bourratifs. Toi, tu viens avec la nana. Justement, je voulais sauter le riz avec l'huile rouge, non, mais il n'y avait plus le rouge. Ça, par exemple, c'est ce qu'on mange au chantier, le riz. Parce que souvent, quand il mange ma boule de couscous ici, là, jusqu'à 18h, j'ai le punch, je travaille, j'ai le punch, j'ai l'énergie. Mais quand tu viens avec la nana comme ça, c'est l'eau ou c'est le jus? C'est la nana, ce sont les sucreries, c'est la vitamine C. Comme ça, non, tu auras la force, tu auras l'énergie. Tu vas même travailler au chantier, même jusqu'à 22h comme ça, là. Et puis même, j'ai découpé ça petit pour que ça remplisse ton ventre. Les filles Moundang, elles disent qu'elles l'ont coupé petit pour que ça suffise dans mon ventre. De toutes les façons, est-ce que j'avais l'autre? Merci. Je vais faire semblant de manger. Imaginez qu'elle mange la bonne nourriture. Doudou. Tu n'as pas oublié mon problème que je t'ai posé, non? Non, je n'ai pas oublié, mais je n'ai pas encore. Mais dès que j'aurai, je vais te donner. Dès qu'on va nous payer là, je vais te donner ça. Boussé, tu me provoques. Tu me connais, non? J'ai dit, toi-même, tu n'es pas fatigué de dire que tu n'as pas l'argent. C'est comment? Non, le chantier dans lequel tu travailles ici, là, c'est quoi? C'est le chantier de la sorcellerie. On ne te paye pas, mais tu es là, tu travailles chaque jour. On ne te paye pas, tu travailles chaque jour. C'est quoi? On enterre ton cordon ombilical ici, là. Regarde. Moi, c'est question qu'elle était parlée. Attends, mais dans la relation, je suis la seule qui doit me sacrifier. Je suis la vendue de l'histoire. C'est moi qui dois chercher ce que tu dois manger. C'est moi qui dois faire la cuisine pour toi. Je vole même les choses de ma mère pour aller faire la cuisine chez toi. Mais toi, tu es là, tu es incapable de te sacrifier pour nous. Je t'apporte même la nana qui sort du sang de ma grand-mère. Tu viens critiquer ça. Attends, tu es sûr que tu peux m'épouser? Non, regarde. Coucou. Donc, je dois me sacrifier pour toi seule. Non, ne te fâche pas. Tu ne peux pas dire ça. Non, bon, attends, soyons un peu sérieux. L'argent de la pension que je te demande depuis, tu es incapable de me donner ça. Attends, mais tu souffres aujourd'hui comme ça, là, je te soutiens. Imagine, c'est que demain ou après-demain, je réussis. Donc, je vais t'abandonner. Non. Un petit argent comme ça, là, tu es incapable de me donner ça. Après, on m'a dit que la femme est matérialiste. La femme ne connaît pas soutenir l'homme. La femme est si. La femme est ça. Ça ne voit ce que vous me faites. Calme-toi. Tu n'es pas matérialiste. Calme-toi. Tu sais que tu es ma priorité. C'est le genre, dès que j'aurai là, tu es la première personne à qui je vais donner. Dès qu'on me paye là, c'est d'abord ton problème que je résous. Ne te fâche pas. Donc, regarde, va d'abord à la maison. Je vais résoudre dès qu'on me paye là. Je vais venir gérer. Tu vois, quand tu as les mêmes mots, je vais venir gérer. Toi, tu n'es pas fatigué de ça. Non, ne te fâche pas. Quand tu quittes ton pourri chantier là, tu rentres avec les assiettes de ma mère. Oui, je vais ramener ton assiette. Je ne peux pas même pas la boire pour toi demain. Ouais, chouchou, ne te fâche pas. Tu sais que quand tu te fâches, tu deviens un peu laide, non? Merci pour la nana. Tu es la meilleure. En plus, c'est elle qui a raison. c'est qui ont les femmes au pays. Tu dis que ta part là, elle est encore où là? Au Canada, hein? Nous, on vit l'amour face to face, face to face, en face comme ça. Les yeux dans les yeux. Ta part là peut te faire la nana comme ça et t'apporter au chantier. Je suis même sûr que tu as oublié le goût de la nourriture de ta femme. Tu sais ce qu'elle s'est encore préparé? Voilà, nana. Ah, c'est ça l'amour, hein. Donc, l'amour consiste à qu'elle vienne au chantier bavarde sur toi. C'est ça que tu appelles l'amour. Pardon, donne la nana aux gens, on mange. Donc, tu écoutais. Ce qui m'énerve, c'est que quand elle bavarde comme ça, c'est qu'elle a raison. La fille, si elle me soutient tellement au point, quand je la vois venir bavarder ici comme ça, là, elle a raison. C'est quel travail qu'on travaille ici que depuis 3 mois, on ne nous paye pas? C'est une évasion. Relation à distance ou relation normale, on est tous dans le besoin. C'est chaud. Moi, je suis sous pression à un niveau, à Imago, tout ça. Là. Elle me met des problèmes d'argent. Et je suis impuissant, je ne peux rien faire. Tu t'imagines qu'on a fait la dalle là-bas, il ne nous a pas payé. Il nous envoie ici, là. On est encore en train de faire les élévations ici, comme ça, là. On n'a pas l'argent. Gars, à un moment donné, il faut qu'il nous paye. Nous, on aussi, les enfants, déjà, on a des problèmes. Non, mais quand quelqu'un te fait travailler pendant 3 mois, il ne te donne pas de salaire. Il pense que tu prends l'énergie où pour venir travailler. Oh!
vous deux là. C'est comme ça que vous passez vos journées ici. Vous êtes installé là, on dirait que vous êtes dans votre salon privé. Ok? Ça fait 45 minutes que je suis ici. Et vous allez vous causer. Hein? Vous savez que dans une journée de travail, il y a 30 minutes de pause syndicale. Vous allez passer 45 minutes à discuter. Je ne veux pas parler du temps où vous allez fumer, vous allez pisser, où vous recevez vos copines ici. Et moi, à la fin de la journée, je dois vous payer. C'est ça? Hein? Attends un peu, je rêve ou bien il vient de dire qu'il nous paye? Souvent, tu rêves, mais cette fois-ci, là, c'est la vérité. C'est ce vous voulez faire de l'esprit, hein? Vous voulez faire de l'esprit? Je vous rappelle que chaque matin, devant chez moi, il y a une file de gens qui cherchent le boulot. Moi, je vous ai donné du travail. Ok? Donc, si vous continuez comme ça, je vous dis, je vais vous virer. Je vous vire. Attends, donc toi, tu dis que toi là, tu nous payes. Vous ne voulez plus que je vous paye? Vous ne voulez plus que je vous paye? Hein? Ok, c'est bon alors, je vais vous virer. C'est ce que vous voulez? C'est pas possible. Pour qui vous vous prenez? J'ai une idée. Et s'il nous payait aujourd'hui? Voilà. Et s'il nous payait maintenant? Maintenant. Là, là, là. N'inversez pas les rôles, hein. Je suis votre patron. Vous êtes dans mon chantier. Tu vas nous payer maintenant, là. Tu vas nous payer parce que tu fais la merde. Vous faites quoi? Hé, vous faites quoi? Oh, vous. Attends, qu'est-ce que. Ouais. Tu vas nous donner notre argent. L'autre, ça ici. Attends. On peut discuter. Tu donnes notre argent aujourd'hui là maintenant. Est-ce que je dis que n'allait pas vous payer? Compte notre argent, tu nous donnes. Tu penses que nous on s'en sort comment? Tu penses que nous on a aussi des problèmes? Ouais, petit frère, la violence n'est pas bien. Tu comprends? La violence n'est pas bien. Aujourd'hui, on va te violer. Aujourd'hui là, tu. Ouais, pardon. Dis-leur que ce n'est pas ton chantier, non? Dis-leur que ce n'est pas ton chantier, il faut leur dire la vérité. Attends, comment ça, ce n'est pas son chantier? Ce n'est pas son chantier, c'est le chantier de notre grand frère, Kiambeng. C'est pas lui le boss. Non. Takus, tu vois, on donne un petit pouvoir à un chauve qui n'a pas de cheveux sur la tête. Et puis tu vois comment il nous traite ici alors que ce n'est même pas son chantier. Tu es aussi chauve et tu n'as pas de cheveux. Ce n'est pas là-bas le débat. Il doit nous donner notre argent, c'est un bandit comme tu le vois là. Tu te prends pour le boss alors que tu n'es pas le boss. Est-ce que je n'ai pas malheureux? C'est que mon frère n'a pas encore envoyé l'argent, pardon. Aujourd'hui là non. Tu nous donnes notre argent ici là, sinon tu ne bougez pas. Pourquoi vous, s'il vous plaît, donne-nous notre argent. Mais pardon, appelle aussi. Toi-même appelle, non, tu n'as pas son numéro de téléphone. Attends, les zigzags que vous êtes en train de faire. Attends, mon petit. Tu vas appeler. Vous pensez qu'on s'en sort comment? On nous appelle tous les jours, on n'a pas récupéré l'argent. Pourquoi vous faites ça? Pourquoi on fait ça? Sans salon. Allô. Tu donnes notre argent ici. S'il te plaît, fais-moi un transfert. D'accord, merci. On s'en fout de savoir le chantier de qui c'est. On veut l'argent. Non, est-ce que j'ai dit que je n'allais pas vous payer? Donne-nous notre argent. On veut déjà tuer Nestor ici là à cause de l'argent du chantier. Oui. Comment depuis tu n'as pas envoyé l'argent? Mais qui l'envoie, pardon? Il dit qu'il va envoyer l'argent. Voilà, il va envoyer. Mais dans quelques jours. Même s'il envoie l'argent là. Tu envoies l'argent. Ça va arriver même dans une semaine. Non. Donc on peut vous payer la semaine prochaine. On va gérer ça ici maintenant. Il est dans quel pays? Il est au Canada. Allô? Takus, oui. Si c'est le Canada, non. On peut résoudre ça ici. Là, là, la personne ne bouge. Ils disent qu'on peut. Mets-le sur le parleur. Grand frère, si c'est pour le Canada, non, il y a une application qui te permet de résoudre cette affaire ici, là, maintenant. L'application NGC Financial Service. Avec ça, tu peux directement nous envoyer l'argent, là, nyangalek dans notre téléphone. On peut prendre ça à Orange Money ou à MTN Mobile. Oui, tu renseignes juste l'expéditeur et tu mets le nom du bénéficiaire, plus son numéro de téléphone. Tu envoies l'argent, là, 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 ça tombe dans son téléphone. Il peut prendre. Tu peux envoyer l'argent comme ça du Canada pour le Cameroun ou du Cameroun pour le Canada. Oui, là. Donc, qui l'envoie sur mon numéro? Non. Tu es fou. Grand frère, envoie ça sur mon numéro à moi. Le nom, tu renseignes le nom de l'expéditeur et mon nom, le nom du bénéficiaire. Mboussi René. René Mboussi, comme ça se prononce, oui. Le numéro, c'est 24-25-31-1er. Oui, 24-25-31-1er, c'est mon numéro. J'attends ça là maintenant. Malhonnête, tu ne bouges pas. Allô? Pourquoi vous faites ça? Tu télécharges alors l'application. Pourquoi vous faites ça? Donc, ouais. Il a dit qu'il va payer. Il faut avoir la crainte de Dieu. Ce que vous faites là, c'est bien. C'est la malhonnêteté là qui fait blanchir sa barbe. Il dit qu'il a envoyé. Voilà. Il a envoyé. Oui. Oui, on attend sur place. Pour le moment, tu ne bouges pas. Il n'a pas encore reçu. Numéro. Message. Oui, on a.
bon, t'inquiète, c'est bon. C'est bon. C'est la totalité. Arrivé. Ouais, c'est arrivé, voilà, ça, c'est la totalité, voilà ça, non. C'est arrivé. Mais. La totalité. Ah. Ouais, mon gang. C'est bon, c'est arrivé. C'est arrivé. Comme tu ne connaissais pas l'info, là, je te passe maintenant le fax. Avec l'application, là, tu peux même, lorsque tu viens passer tes vacances ici au Cameroun, payer tes factures du Canada, étant ici. Voilà. Tu peux payer tes factures, envoyer même le crédit aux gens. C'est la crème des crèmes des applications d'envoi d'argent. Ah, ça, c'est le juste cadeau pour toi. Takus. On va. Wow. Allô, attends, ne raccroche pas encore. Eh, hey, mon gars, c'est moi le collègue de René. Oui, oui. Je disais juste au revoir et bye. Nous, on travaille plus pour toi. Cherche d'autres personnes. Cherche d'autres personnes. Bye. On a Zam. Tu dis que vous n'avez pas fini le mortier. Ah, le mortier. Tu vois le ciment là, non? Effectivement, si c'est qu'on n'utilise pas ça aujourd'hui, ça va se gâter. Donc... Il faut tourner. Il faut tourner. C'est ta soeur formée une belle famille. Il veut résoudre le problème du manga aujourd'hui. Ah bon? Il veut lui faire surprise. Toi aussi, tu étais obligé de dire que c'est toi le boss. Quand tout le monde me gronde, toi aussi tu me grondes. Tu ne te grondes pas comment? Regarde, on a failli te tuer maintenant. Bienvenue chez NGC Financial Services, votre compagnie de transfert d'argent du Cameroun au Canada, du Canada au Cameroun. Vous payez par Interac, dépôt bancaire ou sur notre site www.ngcfinancialservices.com et votre récipiendaire reçoit dans les minutes qui suivent un paiement par dépôt mobile money, dépôt bancaire ou en paiement de facture international with NGC Financial Services. Send and receive money in minutes. Mobile money deposit back home. Account provisioning. International bill payments. Very low cost and very competitive rate.